Bonsoir, donc dans ce nouvel tuto, je vais vous présenter un pendule que j'affectionne particulièrement. Donc son nom, c'est le diamant noir. Donc je vais vous faire voir je vais mettre de plus près, comme ça on voit bien le pendule. Donc il a la particularité d'avoir les 7 couleurs du chakra et la forme d'un diamant. Si vous... C'est ni plus ni moins qu'un diamant. La forme, hein, c'est pas un diamant noir, hein, c'est de l'agate noire. Donc, il a comme particularité donc d'être émetteur-récepteur. Donc, vous voyez les faces, il est vraiment bien fait. Hein, c'est vraiment. Donc, c'est un générateur, hein, parce qu'avec les faces, donc ça augmente nettement l'intention donc de la personne qui fait la recherche ou qui veut faire un soin. Donc c'est quand même plus, donc c'est un pendule émetteur-récepteur, mais c'est un pendule qui va servir plus pour des thérapeutes quand même, ou pour une personne qui veut faire un soin. Donc il faut le privilégier pour les soins, parce que donc il y a une chose, donc pour la première utilisation déjà, il faut nettoyer le... Ben, comme tout cristaux, il faut nettoyer. Donc vous allez le laisser pas plus de 30 secondes. Vous prenez un verre d'eau, vous le mettez dedans avec une pincée de sel, mais une légère. Hein. Vous le laissez 30 secondes dans l'eau, vous rincez abondamment, bien le nettoyer. Donc pour le nettoyer. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser. Donc par contre, ce qu'il y a de bien donc, sur l'agate noire, donc c'est vraiment la pierre. De la stabilité, de l'équilibre. Donc vous allez avoir cette pierre noire qui va protéger la personne qui l'utilise, hein, ou le thérapeute. Donc le protéger des énergies négatives ou d'ondes nocives. Vous avez les couleurs des chakras dessus qui vont créer un équilibre. Donc ça va être très bien si vous voulez faire un soin, par exemple, vous avez une personne, disons que c'est une personne, donc vous, si vous travaillez sur les chakras, vous voulez nettoyer quelque chose, donc vous allez venir dessus, donc si on va dire que c'est sur le septième chakra, si la personne a un problème de connexion, donc vous allez pouvoir demander un nettoyage donc avec ce pendule, donc qui va se connecter donc pour un rééquilibrage des chakras, au moins sur le septième chakra. Donc vous allez demander un nettoyage. Donc il va faire son nettoyage. Donc vous le laissez faire jusqu'au bout. Ensuite, vous allez le laisser, il va repartir, vous voyez, tout seul. Donc sur le nettoyage. Donc la première partie, c'est il va enlever ce qui est négatif. Et la partie d'après, donc il régénère. Voilà, donc vous pouvez faire un soin sur les chakras. C'est vraiment, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec. Donc, il va servir de rééquilibrage d'énergie pour les organes, pour les corps subtils, pour les chakras, on vient de le dire. Il fait plein de choses. Et puis après, vous pouvez en servir comme un pendule pour toute recherche, en sachant que c'est vraiment un bel instrument, moi je trouve. Voilà, donc vous pouvez le retrouver donc maintenant sur ma boutique stephmagnetic.fr. Je pense pas l'avoir vu, j'ai regardé un peu sur tous les autres sites. Je l'ai vu nulle part ailleurs. Voilà, donc j'espère que il plaira beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose de. Franchement, je trouve que c'est un vraiment bon pendule. Voilà.